Ligne de France, collection automne-hiver 2022. Petite présentation. Voici la robe Catherine. On a un petit côté les quatre filles du docteur March. C'est une robe chaude, en jersey, bleu ciel, avec un nœud dans le dos pour souligner la taille. À l'avant, c'est évident, avec une taille en pierre, et à l'arrière. La robe est compatible avec la grossesse. La robe n'est pas doublée. Donc, petit conseil, lorsque vous êtes entre deux tailles, prenez votre taille, la plus petite taille, lorsque la robe n'est pas doublée, et si elle est doublée, prenez la taille au-dessus. On le voit ici avec la robe Astrid. Ça sent la tea party à Kensington Palace. Ça sent voilà, cette rose anglaise avec cette couleur fanée. Le jardin secret, une balade voilà, dans oh, c'est toute cette poésie. La robe est en coton, elle est entièrement doublée. Donc si vous êtes entre deux tailles, prenez justement la taille au-dessus. Là, je porte un 38. La robe nécessite plus de 3 mètres de tissu, donc presque 3,5 pour être honnête, et elle est entièrement doublée. C'est une robe qui structure la taille et la silhouette entière. Elle a un zip invisible à l'arrière et elle a deux poches. Alors, j'arrive à la fermer toute seule, n'étant pas souple, mais ça reste que, sachez-le, et voilà. Ici, robe de grossesse Marianne, de couleur menthe, ou plutôt ce que les Anglais appellent aqua, la couleur de l'eau. Très confortable, elle est en jersey, elle n'est pas doublée, coton et élastane, taille midi, manche longue. Elle est très confortable, mais c'est vraiment une robe de grossesse. Non. Si ce n'est pas le cas, non, ne la commandez pas, ou sinon vous allez être félicité prématurément. Donc il y a ce nœud sur le devant, qui justement permet d'ajuster le ventre au fur et à mesure de la grossesse. Et cette robe existe également dans la couleur prune. Les deux robes s'accordent avec les vestes Elisabeth avec les fleurs, vous les verrez par la suite. Même principe ici, robe en jersey, elle n'est pas doublée, très confortable, très chaude pour accueillir bébé le moment venu. Moi je ne demande qu'une chose, c'est de porter ces robes pour pouvoir avoir cette quatrième grossesse. Mais voilà, je vous présente tout de suite la robe Sarah. Donc c'est une robe de couleur ocre, la taille est soulignée, manche trois quarts, elle est entièrement doublée. Le bas, c'est un cercle plein. Vous voyez, donc elle n'a pas de poche, elle a un zip invisible à l'arrière. Là aussi, zip fragile, c'est les consignes que j'ai données à l'atelier, c'est le plus invisible possible. Ils ont respecté ça à la lettre, et donc attention avec les fermetures éclairs. Pour paraphraser mon frère, soyez pas des brutasses. Bon, voilà, une de mes robes, la robe du quotidien, celle que j'ai tout le temps. La robe claire, en jersey, elle n'est pas doublée. Je la porte ici en 36. Elle a des manches longues, même très longues. Donc ça allonge les bras. Donc, pour celles qui préfèrent les manches trois quarts, bon. Mais pour celles qui, comme moi, préfèrent les manches très longues, c'est parfait. Il y a deux ceintures. Donc la robe vous sera livrée avec deux ceintures, bordeaux et ton sur ton. Vous pouvez également la porter sans. Donc c'est vraiment à vous de voir et à vous de moduler cela. Longueur midi. Le col est rond, et oui, elle est chaude, elle est agréable, couleur de l'automne avec de grands motifs fleuris. Et voici la robe Jeanne, de couleur bordeaux, col en V, taille cintrée. Elle n'a pas de poche, elle a un zip invisible à l'arrière. Les manches sont trois quarts, c'est une robe chaude qui pèse près d'un kilo en taille 36. Là, je porte une taille 36 d'ailleurs, sur cette vidéo 36. Alors quoi, les robes doublées, je les porte en 38, juste pour pouvoir votre repère. Et pour info, je mesure 1,60 m. Voici la jupe Sophie, jupe en tartan. Elle est doublée, elle est très épaisse. Pour tout ce qui est composition, prix, vous aurez toutes les informations sur le site. Ici, je préfère vous montrer les vêtements en situation. Et voici la robe Rachel, avec le drapé sur le devant. Elle se ferme sur le côté. Sous le bras, il y a une fermeture éclair invisible. Vous pouvez la porter avec la ceinture ou sans. Elle s'accorde également avec les vestes. Manche trois quarts. Dans une couleur moutarde, crème, camelle. Voilà, plutôt camelle. Et elle est doublée. Et voici la deuxième variante de la robe Astrid, avec ce bordeaux fané, rose anglaise,
c'est après tout un été, qui sont fanés au soleil, qui portent toute la chaleur de l'été en elles. Et là, on s'installe dans la saison froide, mais on garde justement ces... Oh, moi, je raffole de ça, ce vieux rose. Même principe que la précédente. Elle nécessite beaucoup de tissu. C'est une robe magnifique pour vos grandes occasions. Extraordinaire. Elle a donc deux poches, longueur midi, col bateau, vraiment structuré. Si vous hésitez, prenez plutôt la taille au-dessus. Vraiment, cette robe se suffit à elle-même. Elle vous structure, quoi. Donc, préférez la taille au-dessus, parce que c'est... Voilà. Et voici l'ensemble de la collection. Voilà ce que ça donne. Donc, pour tout ce qui est le prix, la composition du tissu, les mensurations, vous retrouverez les informations sur le site, sur chaque page du produit. La livraison se fera par Colissimo et Mondial Relais, à vous de choisir. Les retours vous se feront sous 2 semaines. Ah, pardon, je vous présente encore les deux vestes. Veste Elisabeth, veste, donc celle-ci en terracotta très épaisse, qui terracotta 100% coton. Ici, voici la... Oh, voilà. La veste Elisabeth avec des motifs fleuris. Donc là, le motif est à fleurs, donc chaque veste est différente. Il n'y a pas deux fois la même veste. Vous comprendrez aisément. Manches longues pour les vestes. Elles n'ont pas de poche. Elles sont cintrées dans le dos. Et j'ai pris soin de les accorder avec chacune des robes de la collection. Sauf les robes Astrid, Astrid et Claire, donc elles sont déjà très fleuries. Mais donc toutes les robes unies s'accordent justement avec les vestes. Vous voyez, là, il y a la reprise des couleurs. Le col est rond. Voyez. Bon, pour ce qui est des informations pratiques, dans la newsletter du jeudi 13 octobre, vous recevrez le lien direct de la boutique. Elle ouvre à 9h. Donc j'enverrai la newsletter à 9h, 8h59, pourquoi pas. Et vous aurez toutes les informations sur la boutique Ligne de France. J'espère que cela vous plaît. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.